La personnalité de ce jour qui fait office d'invité d'Écho 237 est un acteur de la société civile. Il nous fait le plaisir de nous recevoir dans ses locaux ici à Douala. Mesdames, Messieurs, Monsieur Philippe Nanga est notre invité. Il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Dans l'entretien qui va suivre, on parlera des activités de cette ONG qui exerce depuis plus d'une vingtaine d'années au Cameroun. On reviendra sur l'actualité politique au Cameroun. Retrouvons-nous dans quelques instants avec notre invité. Monsieur Philippe Nanga, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir et un des principaux animateurs de la société civile au Cameroun. D'entrée de jeu, parlez-nous de cette ONG qui existe depuis 2003 au Cameroun. Un monde à venir, c'est une organisation de la société civile du Cameroun, bien sûr, créée en 2003, mais nous avons reçu le récépissé en 2006. Donc nous travaillons sur trois grands axes. C'est l'accès aux droits, le premier axe, la lutte contre toute forme de discrimination, et le troisième axe, c'est la mobilisation des publics. Ces trois axes sont accompagnés d'un axe transversal qui est l'éducation à la citoyenneté. Un monde à venir travaille sur deux thématiques principales, c'est les droits de l'homme et la démocratie. Notre public cible, c'est les jeunes. C'est les jeunes parce que nous travaillons au Cameroun, où se trouve d'ailleurs notre point d'ancrage, n'est-ce pas, en tant qu'organisation basé à Douala, et nous avons analysé d'abord l'environnement du Cameroun pour nous projeter vers des activités qui pourraient porter en termes de transformation sociale. C'est en cela que Un Monde à Venir a choisi de travailler sur les droits de l'homme et de la démocratie, et a choisi de travailler avec un public cible, les jeunes, parce que les jeunes représentent quand même, si je m'en tiens au chiffre officiel, plus de 70% de la population camerounaise. Donc, c'est ça un monde à venir. Nous déployons sur l'ensemble du territoire national. Nos activités s'étendent dans les 10 régions du Cameroun, avec une extension dans le monde entier, notamment la sous-région où nous travaillons aussi sur les questions de migration, parce que nous travaillons aussi sur la protection des droits des migrants et l'intégration sous-régionale. Donc, on a un réseau qu'on anime qui s'appelle le GRAMI-AC, le groupe de recherche et d'action sur la migration de l'Afrique centrale, qui regroupe les pays de l'Afrique centrale. Nous avons une extension d'activité au niveau international sur les questions de démocratie et droits de l'homme. Nous sommes membres de plusieurs réseaux en la matière. Donc, c'est un peu ça, un monde à venir en termes de structure, en termes de dynamique, en termes de déploiement sur le terrain. D'ailleurs, on le voit très bien, vos déploiements depuis un certain temps, d'ailleurs, à quelques mois, on va le dire, voilà, un an de l'élection présidentielle à venir. Vous avez déjà commencé les déploiements, c'est ce que vous faites régulièrement. Vos prises de position publiques vous ont valu plusieurs fois des menaces. Comment réussissez-vous à surmonter tout cela dans un pays où les dirigeants sont réfractaires au son discordant? Mais comment réussir à surmonter cette difficulté qui résulte de le mal que les dirigeants ont à supporter la contradiction? En réalité, je suis défenseur des droits de l'homme, et en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes préparés à cela. Nous sommes préparés à cela, nous sommes préparés à ce que les choses bougent. Nous sommes préparés à ce que ça se passe mal. Nous sommes préparés à ce qu'on soit souvent arrêté, ce qui est le cas. Les menaces, c'est quasi quotidien. Alors, nous avons une motivation qui nous permet de surmonter cette difficulté. C'est la motivation que nous avons de travailler à transformer la société. C'est la motivation que nous avons, n'est-ce pas, avec la conviction que nous avons bien vu les choses. D'ailleurs, nous nous disons toujours, si nous n'avions pas bien vu les choses, si nous n'étions pas en train de toucher là où il faut, les gouvernants qui n'ont pas
intérêt à ce que les gens sachent ce qui est mauvais dans le système de gouvernance, ne nous traquerait pas. Donc nous avons cette motivation et cette conviction qu'on a touché, n'est-ce pas, la bonne chose et que notre approche est bonne. C'est pour ça que ça nous met en difficulté, certes, mais ça met surtout en difficulté ceux dans le gouvernement qui pensent que notre pays, particulièrement le Cameroun, doit, n'est-ce pas, sombrer dans la misère ambiante qui malheureusement cause beaucoup de décès, de morts, ou bien ceux dans le monde entier qui pensent que l'Afrique doit croupir dans la dictature et autres. Donc nous nous battons contre ces forces réfractaires-là et avec la conviction qu'un jour, n'est-ce pas, les choses vont bouger. Ça nous met fortement en difficulté, c'est une réalité. Je viens d'une mission sur le terrain, sur les questions migratoires à l'est du Cameroun, où à peine entré à mon hôtel, 15 minutes après, j'ai été interpellé par trois personnes, dont un commissaire de police et deux agents de la surveillance du territoire. Donc, Et les raisons de votre interpellation étaient quoi ? Et dans la nuit, nous sommes arrivés dans la nuit, avec, j'étais accompagné de deux personnes de mon équipe, et puis malgré que les deux membres de l'équipe se soient présentés et aient décliné l'objet de notre présence là-bas, ils ont exigé de me rencontrer, donc j'ai dû les recevoir d'ailleurs dans ma chambre, voilà, où ils sont venus, je leur ai dit, écoutez, mais voilà, je n'ai pas des armes ici. Nous sommes venus pour une mission de discussion avec des gens aux frontières, des usagers de la frontière, parce qu'on travaille pour la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, on est là. Bon, ils ont voulu savoir pourquoi on est là, pour combien de jours, tout ça. Je leur ai quand même fait savoir que je trouvais malsain que je sois traqué ainsi dans la nuit. Et que ils auraient pu simplement garder ma chambre toute la nuit et le matin m'interroger, m'appeler. Donc, ils n'avaient pas besoin de venir 15 minutes à peine après que je sois rentré dans la chambre. Et pendant tout mon séjour dans cette localité à Kenzo, j'ai été accompagné de manière incroyable par les services de renseignement. Donc, je ne pouvais pas faire le pas. D'ailleurs, le lendemain matin, j'ai été appelé par le sous-préfet qui a réuni toute la machine de sécurité pour m'interroger sur mon arrivée à Kenzo et ainsi de suite. Et c'était quand même incroyable. Ils pensaient que j'aurais dû demander une autorisation à sa hiérarchie, le gouverneur, un monde à venir dans ses activités habituelles. Je ne voyais pas comment j'avais besoin de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai dit à M. le sous-préfet, la preuve que je n'avais pas besoin de me signaler, c'est que à peine entré dans mon hôtel, j'ai eu affaire à vos collaborateurs de la sécurité. Ça veut dire que je suis suivi depuis. Donc, ce que je trouve pas correct du tout, parce que je suis un citoyen qui a le droit d'être libre de ses mouvements. Je ne peux pas être traqué comme si j'étais un grand bandit. Et pendant tout mon séjour, je vous dis, j'étais traqué. Partout où on arrivait avec mes collaborateurs, puisqu'on a fait la réunion avec une vingtaine de personnes de la sécurité, on a eu le temps de les dévisager, de les remarquer. Donc, chaque fois qu'on allait, on marchait, on remarquait au moins deux personnes de la sécurité. Donc c'était comme si on était des grands bandits. Il y en a un qui ne s'est pas gêné quand même à me dire à chaque matin qu'il me voyait en journée à quelle heure je me suis réveillé. Donc comme s'il dormait avec moi dans la chambre. Donc vous voyez, c'est une pression, ce sont des menaces à l'endroit des gens. Et si vous n'avez pas le courage, vous démissionnez de votre travail. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec les renseignements, avec vous, tout le temps. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent que les ONG au Cameroun accompagnent plutôt l'action du régime en place au lieu de défendre les intérêts des populations ? Ce discours, alors, c'est quand même... non, je pense que le discours contraire, c'est celui que j'entends très souvent. Que nous travaillons plutôt pour l'opposition. En tout cas, en ce qui concerne un monde à venir, hein, c'est vrai que de manière globale, on dit que la société civile au Cameroun, puisqu'on ne voit pas des mouvements de masse dans la rue et tout, les gens disent souvent que oui, la société civile au Cameroun, elle travaille pour le gouvernement, on ne les voit pas vraiment aux côtés des populations. C'est le sentiment que les gens peuvent avoir parce que on ne nous voit pas souvent devant des grosses mobilisations. Ça, c'est le sentiment général. Ça, je suis d'accord avec ce sentiment général. Et c'est quoi la raison? Pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans ces mobilisations? Mais simplement parce qu'on est dans un état extrêmement répressif. Je viens de vous dire qu'à peine descendu sur le terrain, dans une ville,
vous avez les renseignements qui sont à votre source. Même si vous imaginez, ils pensaient, je suis convaincu qu'ils croyaient que je venais faire une réunion. Je suis sûr que si je venais pour une réunion, on aurait interdit la réunion. Et peut-être on m'aurait interpellé et même détenu. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme celui-là, il devient extrêmement difficile d'agir. Parce que la répression et les menaces sont permanentes. C'est ce que les gens doivent savoir. Nous avons plusieurs fois mené des actions. Moi, je me suis fait arrêter quand même en 2012 à Yaoundé parce qu'on marchait pour revendiquer le code électoral. Il n'y en avait pas avant. Donc, après 6 mois après, il y a eu cette modification, il y a eu l'adoption du code électoral. Mais avant ça, quand même, on s'est fait arrêter. Donc, plusieurs fois, on a été interpellé. Donc, je crois que si au Cameroun, nous avons du mal à construire des mobilisations, c'est aussi parce qu'on a un État extrêmement répressif, un État policier. On a vu avec le MRC. Le MRC, quand même, qui a conduit, n'est-ce pas, ce parti politique qui a conduit des grosses mobilisations, on a vu la suite. On a vu qu'on a arrêté des gens, qu'on a condamnés, alors qu'ils n'avaient rien fait, ils avaient juste manifesté pacifiquement. Donc, pour vous dire que la grande difficulté au Cameroun, c'est que les populations, on n'a pas encore atteint ce qu'on appelle la masse critique. Quand on aura la masse critique, on va réussir à bouleverser des choses. La masse critique, ça veut dire que si je dis aujourd'hui, on en a marre avec les coupures d'électricité, et que je dis aux gens, écoutez, les amis, il faut qu'on se retrouve devant la direction générale de cette entreprise, des fournitures d'énergie, eh bien, on ne se retrouve pas à 10, on ne se retrouve pas à 30, on se retrouve à 2000. Quand la police, les militaires vont se rendre compte qu'il y a 2000 personnes, qu'il y a 2000 personnes qui sont devant, n'est-ce pas, l'entreprise qui nous fournit de l'énergie, eh bien, je vous garantis qu'elle aura du mal quand même à avancer. Elle aura du mal à avancer. Et même si elle commence à brutaliser les gens ne doivent pas, ils doivent résister. Au contraire, s'il y a 2000 personnes et qu'on commence à réprimer, les gens doivent pouvoir sortir pour venir soutenir ceux qui étaient déjà dehors. C'est ça la masse critique. Mm-hmm. Quand on va donc arriver... Mais ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Non, ce n'est pas encore le cas au Cameroun, malheureusement. C'est-à-dire, au Cameroun, ce qui se passe, c'est que si vous êtes 1000 dans la rue, n'est-ce pas, et qu'on commence à attraper des gens, eh bien, ceux qui voulaient même sortir ne sortent plus. Tout à fait. Alors, c'est l'effet inverse qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que dès qu'on commence à réprimer, d'autres doivent sortir. Parce que si on nous a arrêtés, ben les gens doivent continuer de sortir. Comme ça se passe au Sénégal, on revient partout ailleurs, d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est cette masse critique qui nous en faut. Et nous y travaillons depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vous dis que c'est un monde à venir aujourd'hui est la cible, n'est-ce pas, du gouvernement, du gouvernement avec ses renseignements, parce qu'ils savent que la formation citoyenne, nous la faisons depuis 18 ans. On enseigne aux gens à savoir, à connaître leurs droits et à savoir qu'ils doivent défendre ces droits-là. Et ça, c'est à partir de là d'ailleurs qu'on est devenu dangereux pour le gouvernement, que moi j'ai commencé à être suivi par les services de renseignement, simplement parce que je faisais des formations sur la citoyenneté. C'est-à-dire apprendre aux gens à connaître leurs droits, à s'approprier de leurs devoirs et surtout à savoir qu'ils doivent défendre leurs droits. À connaître qu'en tant que citoyens, ils sont souverains, c'est eux qui ont le pouvoir souverain. Ce n'est pas ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont reçu mandat. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ont reçu mandat. Ils ont reçu mandat de la part des citoyens. Donc le citoyen reste le patron, en réalité. Quand on va réussir donc à faire en sorte qu'il y ait une masse importante qui ait compris ce que c'est qu'un citoyen, je peux vous garantir que ce qui se passe ne va plus se passer. Mais nous sommes proches quand même de pouvoir atteindre ce but. Je pense que nous sommes proches. D'ailleurs, le Cameroun a été un pays de mobilisation. On a quand même connu un parti comme l'UPC qui a secoué tout le pays pendant plusieurs années. Ils faisaient pas la sorcellerie, ils avaient réussi à faire le travail sur l'ensemble du territoire national. Le contexte est différent, non? Et les gens savaient qu'ils pouvaient sortir. Non, le contexte, tous les contextes se modifient. En même temps, les habitudes, les approches, les méthodes aussi se modifient. En 90, on a réussi à faire des grosses mobilisations à Douala, par exemple. En 92, on a vu le résultat de ces mobilisations qui avaient commencé en 90. Avec le SDF. Oui. Voilà. Donc, pas seulement le SDF. Le SDF a été bénéficié de ces mobilisations, parce que le SDF était à la tête d'un groupe, n'est-ce pas, d'un consortium. Donc, voilà. Mais sauf que, après 92, le régime a modifié son système de répression. Le service des renseignements a augmenté. Je vous garantis qu'à un monde à venir, j'ai déjà eu des stagiaires qui étaient des agents de renseignement. Vous vous rendez compte? Ils sont venus être vos stagiaires.
Mais vous avez su qu'ils étaient agents plus tard. Bien sûr. Et c'était des étudiants hein, envoyés par le recteur de l'université. Donc signé, là, le recteur est signé. Hein. C'est pas qu'ils sont venus du quartier. Donc ils viennent de l'université officielle. Donc. Vous espionnez en fait. Et donc, mais après, je vous cache pas, des fois ce sont vos collègues qui vous disent, mais ce gars là, mais c'est un gars du renseignement, qu'est-ce qu'il fait là chez vous? On dit, mais c'est un stagiaire de l'université. Ah bon? Oui. Et puis nous, moi, quand on a su ça, ça nous est arrivé deux fois. À chaque fois, j'ai dit à mes collaborateurs, on ne le touche pas, on le laisse pousser. Il y en a un, d'ailleurs, qui allait plus loin, qui commençait à fouiller partout. J'ai dû l'interpeller pour lui dire, écoute mon cher, mais sans lui dire que je savais qu'il était un des anciens. Mais je lui ai dit, vous êtes là stagiaire, vous faites vos recherches, vous avez besoin d'un document, vous demandez, on vous le donne, mais vous êtes interdit de fouiller partout. Tout à fait. Il ne s'est pas gêné à vouloir amener à faire recruter mes collaborateurs. Il a contacté deux de mes collaborateurs pour leur dire qu'ils pouvaient les amener au comité central du RDPC. C'est de l'authentique. Hein. De l'authentique. Mes collaborateurs sont venus me dire, et là je l'ai interpellé pour lui dire, écoute mon cher ami, si on t'a amené, on t'a envoyé ici pour recruter des gens, va dire à ceux qui t'ont envoyé que tu ne vas pas pouvoir recruter une personne. Parce qu'ici, on a affaire à des citoyens qui savent ce qu'ils veulent. Tout à fait. Non, mais je l'ai maintenu jusqu'à ce qu'il ait fini son stage, deux mois. Donc pour vous dire qu'on est traqué à la culotte, on est sous surveillance, et les Camerounais ont peur. Et c'est normal qu'ils aient peur. Moi, je peux pas. Les gens disent que les Camerounais ne sont pas des peureux, contrairement à ce qu'on pense. Mais après, il y a tout un environnement, n'est-ce pas, de pression qu'on a installé à travers les médias. Parce qu'aujourd'hui, on dit au Cameroun, on a 500 000 médias, mais sauf que qu'est-ce que les médias diffusent comme information? Si on a 500 000 médias, on a à peine une dizaine de médias citoyens. Hein. La plupart des médias, c'est attention, le régime est puissant, le régime est fort, on peut vous arrêter, on peut vous mettre en prison, on est désobéi par une administration, on doit respecter le machin. Voilà ce qu'on diffuse dans la plupart des médias. Et ils ont envahi les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand vous dites un truc là-bas, vous avez 50 000 personnes qui vous disent on va vous arrêter et vous menacent. Mais quand vous critiquez maintenant le régime, on trouve que vous êtes une presse à charge. Bien sûr. Régime, ouais. Mais c'est ça. Donc, vous voyez que dans un environnement comme celui-là, comment on forme le citoyen? Comment on forme le citoyen? Je suivais l'autre jour encore un discours de président de la transition malienne qui disait aux gens la population doit apprendre à se défendre. Ça, c'est le discours que Sankara portait. Quand un président dit ça à sa population, comment vous voulez que cette population n'ait pas le courage et ne construise pas le courage à se défendre à chaque fois? Chez nous, c'est tout le contraire. Vous avez un ministre de l'administration qui vous dit ouvertement que si vous sortez, vous arrêtez, il vous met en prison. Et quand vous sortez, vous arrêtez et il vous met en prison. On va embrayer par exemple sur une autre question hein, qui est justement introduite dans le déroulé de ce protocole d'interview. Est-ce que vous pensez que l'opposition joue véritablement son rôle? Ou alors cette opposition est manipulée au Cameroun? Parce que vous avez évoqué un certain nombre d'aspects qui devraient quand même émaner de l'opposition, qui doit peut-être permettre à cette population-là de pouvoir faire véritablement son travail en sensibilisant. Est-ce que l'opposition au Cameroun joue véritablement son travail comme ça? Mais l'opposition fait son travail, mais sauf que qu'est-ce que vous appelez l'opposition? L'opposition, c'est 2-3 partis politiques sur 400 partis politiques. Vous voyez que quand vous avez donc 400 partis politiques et que vous avez une dizaine de partis politiques alliés au régime, bien une vingtaine, donc vous avez à peu près 350 partis politiques supposés être de l'opposition. Mais dans les 350 partis, en réalité, vous avez à peine une dizaine, voire 5 qui sont véritablement de l'opposition. Et donc vous avez à peu près 300 partis politiques supposés de l'opposition, mais qui en réalité sont affiliés au régime. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je dessine. Pour vous dire que le travail de quelques formations politiques de l'opposition est dilué par d'autres formations politiques supposées être de l'opposition. Et ça déstabilise les citoyens, qui ne savent plus en réalité qui est véritablement de l'opposition. Donc il y a donc cette contradiction qui fait que le citoyen commence à se poser des questions, mais finalement, qui est qui dans cette affaire? Et quand vous interrogez les gens, la tendance est souvent de dire vraiment, mieux encore reste avec le régime là, parce que l'opposition, à un moment donné, ne comprend pas. Parce qu'on a infiltré l'opposition
par d'autres acteurs. Et tout cela, c'est la manigance du régime. Bien entendu. Mmh. On a un régime très puissant, il ne faut pas le négliger. Hein. Ils ont des laboratoires, ils savent ce qu'ils font. Même la société civile vit la même chose. Hein. Mmh. C'est ce que j'ai décrit là. Vous avez pris des exemples. Bien sûr. Oui. Donc, les partis politiques d'opposition subissent la même chose. Non seulement on vous infiltre de l'intérieur dans votre propre parti, mais on vous infiltre dans votre milieu dit des partis de l'opposition. Donc, vous ne pouvez rien faire. Quand vous devez prendre une position, vous avez 200 partis qui prennent une position contraire, qui sont supposés être de votre côté. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Je vous garantis que moi, j'ai beaucoup de respect pour quelques partis de l'opposition qui s'activent à mobiliser les citoyens, parce que ça n'est pas facile. Non seulement les leaders sont traqués, sont soumis à des pressions énormes, sont souvent arrêtés, leurs familles sont sous menace, mais en plus, ils sont infiltrés, même les militants aussi subissent la même chose. Ça devient très très difficile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de partis politiques de l'opposition fortes, il y en a, je peux vous garantir que je peux vous citer 2, 3 ou 4 partis politiques qui font un travail énorme sur le terrain de mobilisation, d'éducation. Lesquels? Je peux citer hein, le MRC, comment on appelle ça, le PCRN qu'on est en train d'ailleurs. Oui, puisque j'en venais justement en brillant sur le PCRN, Cabral Ibi aujourd'hui et 23 autres membres du PCRN qui sont exclus par le fondateur Robert Kona de ce parti. Robert Kona, lui aussi, qui avait à son tour été exclu par une commission de discipline du PCRN. Quelle analyse faites-vous de cette situation aujourd'hui? Cette guerre entre deux amis, on va le dire, deux membres de ce parti, le fondateur et celui qui, jusque-là, était le président. Vous connaissez un parti politique dans lequel il est marqué dans les statuts fondateur? Je ne pense pas. Pas du tout, oui. Parce que la loi sur la liberté d'association, y compris les partis politiques, ne prévoit pas. Vous ne pouvez pas faire votre statut, vous mettez là-bas fondateur. Ça ne passera pas, nulle part. Parce qu'une association politique ou associative est ouverte. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas une secte. D'accord? Où il y a un gourou, machin qui est là, et donc c'est lui. Non. Dans un parti politique, il y a un promoteur. Et même le terme promoteur n'existe pas dans les statuts. D'accord? Mais on sait qu'il est le promoteur parce que c'est le premier président au moment où on dépose les statuts à la préfecture ou bien au ministère, comme c'est le cas des partis politiques. Mais nulle part, on est marqué dans un statut président fondateur. Comme je vois ce monsieur signé président fondateur, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas le terme président fondateur dans un parti politique. Mais tout dépend de l'arrangement entre les deux partis. Il n'y a pas d'arrangement possible. On est ici dans la réalité, dans la légalité. Mmh. Président fondateur, ça ne veut rien dire du tout. Mmh. Vous avez été président d'un parti, vous avez cédé la place à un autre, vous n'êtes plus président, point barre. C'est un peu comme une histoire où, j'ai été président, Biya est arrivé, peut-être il a cru que, bon, comme il était ancien président et que c'est lui qui a permis à Biya d'être là, il va le manipuler. Vous avez très bien vu que Biya a utilisé les voies de droit pour dire que monsieur, même si c'est toi qui m'as mis là, c'est moi qui est président maintenant, tu n'es plus rien. C'est la même chose dans un parti politique. Vous créez votre parti politique, monsieur, j'entre dans votre parti politique, j'ai fait mon lobbying, mon plaidoyer, je veux devenir président, je vous bats à l'élection, vous partez. Vous n'avez pas dit que non, c'est moi le président fondateur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais comment comprendre donc la réaction du ministre? C'est simplement qu'on a encore là affaire à une affaire et à une incongruité, c'est-à-dire que l'immixtion de l'administration dans le fonctionnement d'une organisation de libre. D'accord? C'est tout. C'est-à-dire qu'on a un parti politique qui a son fonctionnement et dont l'administration a décidé que c'est eux qui vont contrôler le fonctionnement de ce parti. Et ce n'est pas le premier parti, hein. L'UPC, on parle de l'UPCisation des partis politiques, c'est-à-dire que, parce que l'UPC est le premier parti à avoir fait les frais de ça, c'est-à-dire les gens font un congrès normal, ils font machin, mais l'administration dit que non, nous on ne vous reconnaît pas, on reconnaît plutôt tel. À un moment donné, nous avons reconnu deux UPC. Vous connaissez l'histoire. Donc, après, le CPP a fait les frais de cela, où Kavala est président connu de tout le monde. Un gars sort de nulle part et dit que non, c'est moi le président. Et puis, le ministre dit que non, c'est lui que lui il reconnaît. Donc il ne reconnaît plus. Vous pensez que ce sont les manigances du... Non, pas que je ne pense pas, ce sont les manigances de l'administration. Mm-hmm. C'est une réalité. Donc, qu'est-ce que vous voyez d'un ministre, un parti politique, mène une réunion de droit, fait un procès verbal,
rend compte à un ministre, n'a même pas transmis au ministre, c'est-à-dire que rend public, le ministre fait un communiqué pour dire que lui ne reconnaît pas l'exclusion de celui-là. Est-ce qu'on lui a demandé quelque chose? C'est comme si un monde avait venu, on décide de m'exclure, moi, de coordinateur, et c'est possible. Hein. Mais le ministre de l'administration doit contrôler un peu le fonctionnement de ses partis politiques, même si... Est-ce que dans son communiqué, il a indiqué l'article du parti politique, des statuts du parti qui n'a pas été respecté? Non, pas du tout. Et encore qu'il a été saisi par qui? Parce que le ministre doit constater qu'il y a contradiction. Il n'a pas à décider. Il doit dire que j'ai été saisi par telle faction qui n'est pas reconnaître telle chose. Mais ce n'est pas à lui de dire que je ne reconnais pas telle. Maintenant, est-ce qu'en excluant M. Robert Conan, on est parlé, Cabral Ibi et ses membres ne sont pas allés trop loin. Robert Conan, dont l'âge est déjà assez avancé, il a souvent émis un certain nombre de besoins, notamment des besoins alimentaires, la nécessité d'avoir un véhicule, ainsi de suite. Est-ce qu'en gérant cette sollicitation-là, on aurait pu éviter d'en arriver là quand même? Le fait de l'exclure n'empêche pas qu'on lui donne un véhicule, bien qu'on lui construise une maison. Hein. Je ne pense pas que le PSN a dit qu'on ne te construit pas la maison. Mais on a vu qu'il devient nuisible dans la maison et que voilà. Je ne vais pas citer, parce que si je cite un peu ce qui s'est passé avec le parti extrémiste de l'extrême droite en France, avec Le Pen, la fille et le père, vous connaissez l'histoire, à un moment donné, la fille et le père, écoute, tu n'es plus président, c'est moi maintenant. Donc tu es en retraite là, c'est bon. Donc je pense que le PCN s'est rendu compte que le vieux est instrumentalisé et que ça mettait en difficulté l'organisation politique et qu'il valait mieux complètement l'écarter pour qu'il n'ait plus un moyen, n'est-ce pas, de se faire instrumentaliser. Et c'était pour moi, il me semble que pour moi c'était une bonne décision. Maintenant, ça n'empêche pas que on lui reconnaisse, n'est-ce pas, d'avoir accepté d'accueillir Cabral Ibi à un moment donné et de lui donner la possibilité de se présenter à travers ce parti. On doit pouvoir lui reconnaître ça. Je suis tout à fait d'accord et ça suppose qu'on peut lui faire un petit cadeau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je serais moi aussi totalement contre le fait qu'on ne réponde pas à un minimum des besoins qu'il sollicite. Mais tel que je sais, au regard des informations à ma disposition, le PCN n'a jamais et refuser de lui apporter quoi que ce soit. Mieux encore, il me semble avoir suivi qu'il y avait toute une commission qui avait été mise en place pour étudier la possibilité de lui construire une maison. Ils avaient déjà avancé avec des plans et tout, et il y avait déjà même lancé, n'est-ce pas, une mobilisation de fonds pour cette maison. Ça, c'est ce que moi j'ai comme information. Ça veut dire que le PCN n'a jamais refusé, n'est-ce pas, de répondre à ces sollicitations. Ok. Le ministre qui prêche depuis un certain temps par des décisions controversées, il a récemment interdit l'initiative de Jean-Michel Nitcheux et de Olivier Billet, des leaders de partis politiques d'opposition engagés dans la campagne de mobilisation des partisans pour une coalition. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand vous parliez des difficultés que vous-même vous avez à vous déployer sur le terrain, les partis politiques aujourd'hui qui ont la pression du MINAT, qui sont interdits justement de pouvoir rassembler des personnes autour d'une coalition. Comment vous percevez une telle décision du MINAT? Non, c'est pareil, ça fait partie des décisions du MINAT qui relèvent des incongruités administratives et politiques, parce que vous avez affaire à un président, à un ministre qui confond sa qualité de ministre de l'administration territoriale, donc garant, n'est-ce pas, du respect des lois de la République. Vous avez donc affaire à quelqu'un qui, de temps en temps, se confond entre le ministre de l'administration territoriale et le militant engagé du parti au pouvoir. À partir de ce moment-là, vous voyez que il prend des décisions politiques en lieu et place à des décisions administratives. Parce que les partis ont le droit de discuter, de se rassembler, de se réunir, de penser des stratégies, de mutualiser. Vous ne pouvez pas empêcher la mutualisation. Il n'y a aucune loi dans le monde entier qui empêche la mutualisation. Aucune loi. Aucune loi. La loi au Cameroun interdit à deux partis politiques d'aller, de faire un panachage de listes et d'aller aux élections. C'est tout. Mais la loi n'interdit pas aux partis politiques de se concerter, de mettre en place des approches de synergie, de réfléchir ensemble, d'agir même ensemble sur le terrain. Il n'y a aucune loi qui puisse l'interdire.
Donc que le ministre vienne à interdire ça, c'est simplement de je ne sais pas, je ne veux pas appeler ça du cynisme, parce que ça n'a pas de sens. Bon, je comprends parfaitement qu'il craint, n'est-ce pas, que les partis politiques de l'opposition occupent l'espace public, n'est-ce pas, en cette période qui est déjà pratiquement la période électorale. Donc je comprends que à partir de ce moment-là, ils mettent des stratégies pour court-circuiter, n'est-ce pas, pour court-circuiter ce qui se passe avec les partis politiques. Donc, et donc il doit prendre des décisions politiques, de mon point de vue, qui n'ont rien à voir avec des décisions administratives. Et il va donc, moi je trouve ça ridicule, n'est-ce pas, de prendre une décision comme celle-là, sachant très bien qu'elle ne va pas tenir, puisque les associations se rencontrent entre elles, travaillent entre elles, mènent des activités entre elles depuis longtemps au Cameroun, alors que la loi ne reconnaît pas officiellement, ne prévoit pas, en tout cas ne prend pas en compte, n'est-ce pas, les coalitions d'associations, les plateformes et autres. Mais il existe des plateformes et des coalitions d'associations au Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Paula Dangadi serait en mission contre les partis d'opposition au Cameroun? Mais ça s'apparente à cela. Ça s'apparente à cela parce que chaque fois qu'il a pris des décisions, ça a été dans le sens toujours de porter atteinte, n'est-ce pas, à la vie, soit des partis politiques, soit des associations militantes. Je crois que l'impression qu'il donne, c'est qu'en réalité, sa mission en tant que ministre de l'administration territoriale, c'est d'utiliser, n'est-ce pas, son pouvoir administratif, n'est-ce pas, pour traquer et déstabiliser tous les acteurs qui pourraient se constituer adversaires du pouvoir en place. C'est l'impression qu'il donne parce que, et c'est souvent retrouvé dans des postures pas possibles où il demande même à des gens de soutenir le président de la République et tout, alors qu'il est en posture de ministre. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose que nous avons souvent décrié, et nous pensons que le Cameroun ne mérite pas, n'est-ce pas, de se retrouver à ce type de situation où un ministre de la République, n'est-ce pas, se confond à un militant acharné d'un parti politique. Même dans sa posture de militant, ben, le jeu politique, c'est pas ça. C'est pas interdit aux autres, n'est-ce pas, de se déployer. Le jeu politique, c'est développer ses propres moyens, c'est développer ses stratégies pour supplanter les autres sur le terrain. Mais ce n'est pas d'empêcher aux autres d'être sur le terrain. Quand vous empêchez aux autres d'être sur le terrain, ça veut dire que vous sentez que vous êtes en incapacité de concurrencer les autres sur le terrain. Et donc vous utilisez plutôt les moyens administratifs, n'est-ce pas, pour empêcher aux autres d'occuper le terrain, et vous préférez vous retrouver tout seul sur le terrain pour agir sans difficulté. Donc, pour moi, c'est un aveu d'incompétence que le ministre dévoile, n'est-ce pas, quand il prend des décisions administratives pour empêcher d'autres acteurs de se déployer sur le terrain. Monsieur Philippe Nanga, vous avez suivi comme bon nombre de Camerounais l'actualité politique de ces dernières semaines, marquée par la reconduction de Marcel Ndiaye-Fenzi et Kava Yegué-Djibril à la présidence des deux chambres du Parlement camerounais. C'était prévisible, d'après vous? Oui, en même temps, je dois vous dire que ça m'arrive souvent, bien qu'ayant analysé suffisamment notre environnement, et de penser que le régime est un peu comme une mafia. Dans la mafia, le patron il ne quitte pas avant sa mort. En même temps, des fois, je me dis, peut-être que cette mafia peut se muer en république et fonctionner comme une république, où le président de la République peut estimer que c'est bon, je dois laisser la place aux autres. Mais honnêtement, je me disais peut-être qu'enfin, au regard quand même de la situation du Sénat, du président du Sénat, qui visiblement est très très mal en point, et que ça devait changer. Mais quand j'ai vu qu'on a fait une semaine, deux semaines de blocage du Parlement, parce qu'il fallait absolument reconduire une personne incapable de se mettre debout, je comprends que le Cameroun va extrêmement mal. Notre pays va très mal. Très mal. Je ne trouve pas des mots. Je ne sais pas un mot plus fort que mal. Mais le Cameroun va très mal. Pour qu'on soit à ce niveau-là,
de bloquer le Parlement pendant 2 semaines, de forcer qu'on sorte un mec dans son lit, l'hôpital, pour l'amener comme un gamin, le faire asseoir sur une chaise, simplement pour le faire de lui président et qu'il reparte dans son lit d'hôpital. C'est scandaleux ce qu'on a vécu cette année. C'est scandaleux. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ces deux personnalités? Mais rien, évidemment. L'autre est complètement malade, n'est plus là du tout. Donc il est venu faire le truc juste pour que au moins on l'élise et il est reparti dans son lit d'hôpital. L'autre, on voit très bien qu'il avait d'ailleurs décidé de mettre en place son cabinet chez lui au village parce qu'il en avait commencé à en avoir marre d'aller à Yaoundé tout le temps. Donc il n'a plus envie du tout de bosser. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand quelqu'un dit que moi je vais mettre mon cabinet au village, dans son village, c'est parce qu'il n'a plus envie de bosser. Ils sont tous fatigués. Mais comment expliquer donc qu'il soit reconduit? Est-ce qu'au sein de ce Parlement, il n'y a pas des gens, des jeunes, qui puissent les remplacer et véritablement jouer ce rôle, c'est-à-dire assumer leur responsabilité? Comprendre que le président de la République, sachant très bien qu'il est physiquement amorti, bien fatigué, en incapacité d'être opérationnel pour assumer une charge aussi importante que la présidence d'un pays comme le Cameroun, ça je le dis. Je pense qu'il faudrait que M. Biya, peut-être qu'on en discute pour qu'il me convainque que non, lui il a encore de l'énergie pour pouvoir diriger le Cameroun. La preuve c'est qu'on a des crises comme qui durent 7 ans, maintenant il n'a jamais bougé pour aller là-bas regarder ce qui se passe. Vous pouvez voir ça dans aucun pays dans le monde entier. Donc ça veut dire quand même que physiquement il est affaibli. Comment comprendre donc que ce président-là n'ait plus aucune disposition pour lâcher prise? Alors, il se trouve simplement que le président de la République a décidé, avec ses copains de son âge, de nous entraîner là où on ne sait pas. Voilà. De nombreux observateurs politiques pensent que la reconduction de ces deux personnalités est un moyen pour le président de la République d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Cette éventualité est-elle envisagée? Est-elle possible? Oui, désormais je dis oui, puisque en 2018, j'étais de ceux qui disaient non, le président Biya, je ne le vois pas en train de se représenter et tout, faut être sérieux. Je disais aux gens, faut être sérieux, il ne va pas pouvoir. Et puis j'ai vu quand même que le mec il s'est présenté. Il allait faire un meeting de 45 minutes au nord, et il s'est retranché dans son palais, il n'est plus jamais sorti, et il a été élu, dit-on, à 71% de voix. Et donc, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2025, il soit totalement invisible, mais qu'il soit candidat. Et que les gens aient déposé en son nom une candidature de quelqu'un qui n'est plus visible. Ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, est-ce que les Camerounais vont laisser faire? C'est là ma grande question. Comporte un dossier d'une personne qu'on ne voit plus. Et qu'on nous dise que cette personne est candidate et que les gens fassent la campagne en son nom, est-ce que les Camerounais accepteront cela? C'est ça ma grande question. J'espère que non. J'espère que non. Maintenant, si le RDPC estime que ils sont dans l'incapacité de renouveler leur effectif, le président a dit lui-même qu'il est temps de... Il a appelé quoi ça là? Changement transitionnel. Comment ça? Transitionnel. Voilà. Maintenant, si dans son propre parti, les gens n'ont pas suivi le message transgénérationnel, voilà. Le président dit, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement de génération. Il l'a dit. Alors, si ses propres militants, ses propres adhérents ne comprennent pas que non, le président nous a passé le message qu'il n'en veut plus. Et ils sont les premiers à appeler le président qui n'en veut plus à se présenter, alors qu'il n'en peut plus. Il reviendra au peuple de prendre la décision. Nous ne pouvons pas empêcher au RDPC, n'est-ce pas, de mettre un candidat qui ne peut plus s'élever de son lit. Au regard de l'âge du président de la République, est-ce qu'on peut envisager une élection anticipée, élection présidentielle anticipée? Ce n'est pas prévu par notre constitution. Ça veut dire qu'il faudra commencer par modifier notre constitution pour que ce soit possible. Je ne pense pas que dans l'état actuel, ce soit envisageable. Parce que je ne vois pas si le président devrait faire une chose pareille. De mon point de vue, il aurait commencé par faire une consultation avec les leaders politiques. Bon, après, je parle
en me mettant dans une situation d'un pays normal. Il devrait commencer par là, par se concerter avec les autres formations politiques pour voir comment c'est possible. Mais dans notre situation, tout peut arriver. Désormais, moi, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes qui dirigent le Cameroun en lieu et place du président de la République. C'est ma perception. Quand je vois ce qui se passe au niveau, plus haut niveau, je crains de devoir dire que le président agit très peu de plus en plus. Et que c'est d'autres personnes. Et que ces personnes-là, pour diverses raisons, peuvent décider de nous servir n'importe quoi. Tant que les Camerounais ne vont pas enfin pouvoir s'élever pour assumer, n'est-ce pas, leurs responsabilités. Peut-être c'est la raison qui amène certains acteurs politiques à parler d'il y a de transition. Il y a le cas, pour prendre le cas du professeur Titus Etoua, ou alors du professeur Olivier Billet, qui milite pour la mise en place d'une alliance, pour prendre le cas d'Olivier Billet, de transition. Est-ce que vous pensez que, au regard du contexte actuel, on doit parler de transition au Cameroun pour qu'il y ait changement à la tête de l'État? Pendant longtemps, nous avons défendu l'idée de la transition et nous la défendons toujours. Un monde à venir il reste toujours d'avoir un membre assez actif dans le mouvement Stand Up for Cameroun qui défend l'idée de la transition. L'idée de la transition que nous, on a développée, c'est qu'il faut qu'on ait un moment pour refondre les institutions de la République, n'est-ce pas, afin d'en avoir des institutions qui répondent à une vraie république et qui permettent à chaque acteur politique de pouvoir s'engager et aller dans la concurrence politique en sachant que les règles du jeu donnent des chances à tout le monde. C'est ça l'idée de la transition pour nous. Parce que nous pensons que dans l'état actuel de nos institutions, sauf coup de force, je dis bien sauf coup de force, il est difficile de produire un changement quelconque. Donc pour nous, on a toujours pensé qu'il faut ce moment-là de transition pour faire décoller le Cameroun. Il faut d'abord qu'il y ait un moment de transition au cours duquel on va réconcilier les Camerounais. On va avoir des grands débats, des grands moments de discussion, d'échanges avec les Camerounais sur divers sujets. Trouver des solutions durables, réconcilier les Camerounais avec eux, entre eux. Les problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest demandent une réconciliation nationale, reconstruire l'unité nationale, repenser nos institutions et enfin mettre la machine en route pour, n'est-ce pas, véritablement décoller. Voilà l'idée du changement que nous avons, de la transition que nous avons. Maintenant, elle se fera sous quel format? À un moment donné, nous avons défendu que les partis politiques pouvaient se mettre d'accord sur un moment de transition. Visiblement, ce n'est pas le cas avec les coalitions qui tentent de... Non, ce n'est pas forcément que visiblement. Moi, j'observe de loin et même de près, n'est-ce pas, ce qui se passe. J'ai vu que même la coalition qui a à sa tête le MRC, ils ne sont pas totalement contre l'idée d'une transition quelconque. Si se trouve que les gens se mettent d'accord, les gens adhèrent à leur regroupement et que l'idée qui ressort, qui domine, qui prédomine, c'est l'idée d'un moment de transition, eh bien, il me semble qu'ils n'ont jamais exclu, n'est-ce pas, cette possibilité. Ils n'ont jamais exclu cette possibilité-là. Ça me laisse croire que l'idée de la transition, telle que moi je l'ai évoquée, pas une transition de personne, c'est pas ça. C'est une transition pensée, avec des idées claires. On pourrait peut-être accorder une place de choix à la société civile. Pourquoi pas permettre à la société civile de jouer ce rôle, c'est-à-dire d'être à la tête de cette transition? Non, pas forcément. Pas forcément. Pour nous, la transition telle que nous l'avons d'ailleurs soutenue à l'époque, y compris le MRC, hein. Le MRC, pendant un moment, était dans l'idée de la transition. Il me semble qu'aujourd'hui, ils ont inscrit plutôt la transition à l'intérieur de leur programme projet de société. N'est-ce pas, pour dire que s'ils prennent le pouvoir, il y aura un moment au cours duquel il y aura justement ces débats que nous demandons et ainsi de suite avec la réforme des institutions. Je pense qu'ils sont passés de cette approche-là qu'on avait avant à cette nouvelle approche aujourd'hui. Mais l'idée de la transition pour nous, ce n'est pas de mettre en place comme on fait ailleurs, donc un gouvernement de transition forcément, pas forcément.
avec à la tête un acteur civil, parce que les autres qui sont de la les autres ne doivent pas gérer parce qu'ils vont se présenter. Non, on peut faire une transition où un acteur politique, les autres acteurs s'entendent que c'est celui-ci qui, pendant le premier mandat, va assurer un mandat normal, n'est-ce pas, mais qui sera un mandat de transition, parce que vraiment nous n'allons pas lui demander de changer le Cameroun, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible dans l'état actuel. Tout à fait. Nous allons le soutenir, n'est-ce pas, pour refondre les institutions, créer le débat, réconcilier les Camerounais et modifier les règles du jeu électoral, de sorte que à la fin du mandat, on organise des vraies élections. Pour nous, ça c'est une approche de transition qui peut marcher. Ok. Peut-être l'exemple vient du Sénégal qui connaît depuis quelques jours une véritable révolution politique historique avec l'arrivée à la tête de l'État d'un jeune de 44 ans, victorieux dès le premier tour de l'élection présidentielle. L'exemple du Sénégal peut-il inspirer le Cameroun? Oui. Oui, ça peut inspirer le Cameroun. Ça peut inspirer le Cameroun parce qu'on a affaire à deux fonctionnaires qui ont eu le courage d'avoir des positions, n'est-ce pas, révolutionnaires, et qui ont été débarqués et qui ont dit, ok, nous, on va voir comment on ne peut pas nous aussi gouverner ce pays. Et ils n'ont pas eu besoin de 50 ans. Ils n'ont même pas eu besoin de 10 ans. Ils ont créé le parti. Ils ont commencé à travailler, à mobiliser les citoyens. Aujourd'hui, ils dirigent le pays. C'est possible. C'est possible qu'un gars dans la fonction publique, bon, après on a des... C'est pour ça que des fois quand j'entends des gens dire, parce que tel a été ancien fonctionnaire, il ne peut pas être un bon dirigeant, bon, c'est une connerie. Au contraire, moi je pense que quand vous avez une expérience administrative, vous êtes mieux placé que d'autres personnes pour connaître l'appareil administratif et donc mieux le gérer, mieux le réformer, ainsi de suite. Donc là, on a fait justement des gens qui ont été fonctionnaires. Mais est-ce qu'avec le Cameroun, les mentalités sont quand même différentes, non? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle Cameroun. Le Cameroun, on n'a pas un gène qui est extraterrestre. Les Camerounais ont un gène comme les Sénégalais, le comme les Maliens. Pour prendre le cas, après, il y a ce peuple qui a porté... C'est une question de culture. Hein, et la culture, on la travaille. La culture est dynamique, elle n'est pas statique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était dans le mouvement au Cameroun, plus que dans tous ces pays-là. Oui. Après, maintenant... Il y a eu la répression qui nous a imposé le silence et maintenant on commence à dire qu'il faut prendre l'exemple chez ces pays-là. Non, je ne pense pas. Je pense que si on fait un travail d'appoint, on fait un bon travail, aujourd'hui, on peut largement dépasser ce qui se passe au Sénégal, au Togo et ailleurs. On a la capacité. Le peuple camerounais est le plus courageux. Moi, je pense, quand on me parle de courage et qu'on me cite les autres pays, je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On a démontré qu'on est plus courageux dans le monde entier, on a suffisamment de poigne, mais il se trouve simplement, comme je vous ai expliqué au début, on a constitué un état policier. Vous marchez en route, il y a un policier à côté de vous. Vous mangez, il y a un policier à côté de vous. N'importe quel peuple aurait eu des difficultés à commencer à se mouvoir dans un environnement comme celui-là. Maintenant, il faut qu'il y ait des acteurs courageux, n'est-ce pas, qui sortent du lot et qui commencent à reconstruire ce que j'ai appelé la masse critique. Dès qu'on a la masse critique, c'est qu'il y a au Sénégal. C'est pour ça que le Sénégal aujourd'hui, il suffit qu'un gars s'élève et dit on est contre l'augmentation du prix de l'essence. Les gens, ils descendent dans la rue. C'est les mamans qui sont dans la rue, c'est tout le monde qui est dans la rue. Et ça, on peut le faire aussi au Cameroun. C'est pour ça que moi, je dis que, qu'on ne nous dise pas que non, on ne peut pas. Le Sénégal, on peut ce qui s'est passé là-bas. Je dis encore que c'est simplement une question d'engagement, de foi et de conviction. Malheureusement, très peu d'acteurs restent sur la ligne pendant la durée. On a des acteurs qui s'élèvent à un moment donné, ils commencent à faire du travail, et dès qu'il y a la pression et la répression, ils démissionnent. C'est ce qui se passe chez nous. Mais je dis que les quelques militants, les quelques leaders qui restent encore, et même au sein de l'administration publique, je pense qu'il y a des gens là-bas qui sont contre le système gouvernant, qui pourraient très bien s'allier à ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent faire du travail, et puis créer une dynamique comme celle du Sénégal. Des fois, pas, moi, ça ne m'étonne pas. Et je ne pense pas que ce soit impossible d'avoir, n'est-ce pas, une dynamique aussi forte que, sinon plus forte que celle du Sénégal. Revenant au Cameroun, à un an des prochaines échéances électorales, les partis politiques d'opposition multiplient des initiatives pour des Camerounais, des initiatives justement pour que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Entre-temps, certains accusent les CAM de ne pas jouer franc jeu au niveau des chiffres qu'il publie régulièrement. Quelle est la position de la société civile
sur cette question, parce que de plus en plus, on a vu les partis politiques, les membres des partis politiques, depuis un certain temps, mobiliser les citoyens, sensibiliser les populations pour une inscription massive sur les listes électorales, mais contestent les chiffres qui sont publiés par l'ICAN. Oui, ils contestent, mais en réalité, ils ne devraient pas contester. Nous, on est sur le terrain des inscriptions électorales depuis longtemps également. Nous avons observé depuis 2013 que l'ICAM, il y avait un manque de politique, un manque de volonté politique, n'est-ce pas, d'inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Nous l'avions dit. Nous l'avions dit et démontré d'ailleurs. Parce qu'on pouvait voir à travers les budgets alloués à l'ICAM, à travers la mise à disposition de ces budgets-là au conseil électoral pour qu'ils puissent travailler, à travers le matériel qui était alloué à l'ICAM, on pouvait voir qu'il n'y avait pas la volonté politique. Ça veut dire que même si les gars à l'ICAM voulaient, les responsables voulaient travailler, ils n'ont pas les moyens de travailler. On l'a démontré. Hein. En faisant le tour dans les antennes là, pour voir ce qu'ils ont comme moyens et tout. On a démontré. Par exemple, sur la question des inscriptions. Moi, je suis très amusé quand je vois les partis politiques et tout ça, sur le terrain et tout ça. Je vois là, vous voyez une tente, vous avez 15 personnes, vous avez 10 personnes des partis politiques, vous avez 3 gars de l'ICAM, et puis vous avez 2 personnes qui viennent s'inscrire de temps en temps. La journée est passée. L'ICAM n'a pas de matériel. Dans les antennes aujourd'hui, vous avez les antennes qui ont du matériel, c'est maximum deux. Et les deux sont vétustes, n'arrivent pas à travailler, plantent toute la journée. D'accord? Vous ne pouvez rien faire avec ça. Et puis, il n'y a aucune approche scientifique de ce travail-là. On va venir à Ndokoti. Depuis 5 ans, on vient à Ndokoti poser une tente là-bas. D'accord? Bon, les populations de Côte ne changent pas tous les jours. Hein. C'est les mêmes personnes qui vont et vont là. C'est-à-dire que si vous regardez en Côte, si vous mettez une caméra, vous allez voir qu'il y a peut-être 20 nouvelles personnes qui sont passées aujourd'hui, mais en réalité, c'est les mêmes personnes qui circulent là-bas sur leur route quotidiennement. Donc, quand vous allez là-bas tous les jours, il est évident que vous n'allez pas, vous risquez d'avoir les mêmes personnes. Et là, quand inscrit les gens, et puis quand ils nettoient, on se rend compte que tous les gens qu'ils ont inscrits là, c'était les doublons. Et ils les ont sortis de la liste. La conséquence, c'est quoi? C'est que, bien qu'il y ait des mobilisations sur le terrain, à la fin d'année, on vous dit 250 000 personnes inscrites cette année sur les 58 départements. Nous aussi, nous sommes un sujet contre le niveau d'inscription actuel. Et l'ICAM a, en 6 ou 7 mois, en 2012-2013, ils ont réussi à inscrire près de 5 millions de personnes en 8 mois. Depuis 2013 jusqu'à donc 10 ans passés, ils n'ont pas réussi à inscrire 1,5 million de personnes. Comment vous pouvez expliquer ça? Manque de mobilisation des populations? Dites-moi, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que j'ai commencé par vous parler de la volonté politique. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand on a voulu inscrire les gens, en 8 mois, on a inscrit près de 5 millions. Après, on a décidé que c'est bon. Chaque année, il y a 200 000 personnes. Chaque année, 200 000 personnes. 150 000 personnes. 120 000 personnes. Toute une année. Quand vous parlez de volonté politique, qui devrait impulser cette volonté? Mais le régime n'a pas intérêt à ce que le fichier électoral soit rempli, soit, je veux dire, constitué de plusieurs, de la majorité des Camerounais en âge de voter. Le régime n'a pas intérêt. Nous avons souvent démontré que l'une des possibilités, n'est-ce pas, de combattre la fraude électorale, c'est de constituer une masse importante d'électeurs. Ils le savent très bien. Si vous avez 11 millions ou 12 millions de personnes inscrites et qu'il y a 8 millions qui vont voter, c'est difficile de contrôler 8 millions de personnes. Hein. Très difficile. Hein. Mais quand on a 3 millions de personnes, vous avez depuis des années, le nombre de votants tourne autour de 3 millions. Ça n'a jamais changé. Tout à fait. Donc pour vous dire, comme si on avait, comme dit souvent quelqu'un,
un logiciel qui est déjà calibré sur 3 millions de personnes. Donc, il ne faut pas trop dépasser le nombre. Donc, c'est ça qui peut expliquer que on ne dépasse pas 6 millions depuis plusieurs années. On soit en train de tourner à 7 millions depuis, n'est-ce pas, 10 ans. Donc, pour vous dire que il faut faire le bon diagnostic. Quels sont les moyens dont dispose ELECAM? Or, si vous allez, nous, on l'a fait. On a constaté que l'ELECAM n'avait pas les moyens. On l'a démontré. On a même mis des jeunes devant chaque machine pendant plusieurs semaines pour constater la capacité des machines à inscrire des personnes. On s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas inscrire 40 personnes par jour, même s'il y avait des gens inscrits, parce que la machine plante tout le temps. C'est déplorable. Peut-être la forte mobilisation qu'on observe sur le terrain, malgré le manque de moyens de l'ECAM de pouvoir se déployer comme il se doit, peut-être ça va apporter un petit changement au niveau des chiffres régulièrement avancés. Est-ce que l'opposition peut-elle avoir, on va sortir bientôt, de, avoir une chance, l'opposition peut-elle avoir une chance de remporter l'élection présidentielle à venir au Cameroun? Au Cameroun. Une chance, l'opposition a sa chance, à condition que les institutions changent. Mais dans l'état actuel des choses, je vous dis, il faut un coup de force pour que un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun prenne le pouvoir. Pas gagne, prenne le pouvoir. Ah, prendre le Oui, pouvoir, bien pas sûr. gagner, Non, l'option gagner. non. Gagner, vous pouvez gagner, hein. Oui. Mais après, prendre le pouvoir, ça va être très compliqué. Tout à fait. Parce que ce sont des institutions qui s'enchaînent. D'accord? Même si sur le papier vous avez les éléments qui indiquent que vous avez gagné, il faut encore que l'institution en charge de confirmer votre victoire le confirme. Dans l'état actuel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce gars que j'ai vu là, Clément Atangana, pour qu'il décide que lui va prendre la parole pour dire que c'est elle qui a gagné Biya, je ne suis pas sûr que ce soit possible dans sa tête. Je ne suis même pas sûr qu'il imagine un tel scénario. À partir de ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Soit il va falloir que l'armée s'impose et dise que non, nous on a été là, on a vu que c'est elle qui a gagné, soit c'est lui, soit on prend le pouvoir. Ça va être très compliqué. C'est pourquoi je parle des institutions dans leur globalité. Il faut les refondre, il faut les revoir pour assurer à un candidat que s'il gagne, il prendra le pouvoir. C'est le combat que vous menez d'ailleurs, vous, de la société civile, Bien pour la sûr. réforme des institutions. Bien sûr. Nous pensons qu'il faut revoir les institutions électorales en premier, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les candidats aient les mêmes chances. C'est tout. Parce que j'ai dit encore, dans l'état actuel, il faut un coup de force. Le coup de force, ça veut dire qu'il y a une masse critique des Camerounais décidés, prêts à mourir pour un candidat qui accepte d'aller, n'est-ce pas, au front et que l'armée, à un moment donné, se dise, là, on ne va pas tuer les Camerounais. On va imposer à ceux qui sont en face de reconnaître que c'est elle qui a gagné. C'est le coup de force possible qui va amener quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, à la tête du pays, en dehors de ceux qui sont pour le moment tenants du régime. Je pense que les Camerounais doivent être préparés à cela et doivent travailler leur mental à cela. C'est pour ça que nous, on travaille sur toutes les éventualités. De même qu'on encourage les gens à aller s'inscrire, nous faisons notre plaidoyer pour la modification des institutions. Nous préparons les gens aussi à l'action citoyenne. Parce qu'il faut travailler sur les trois dimensions. Il ne faut pas travailler sur une seule dimension. Il faut se dire, mais voilà, maintenant, comment on fait? Un, il faut qu'on soit présent, effectivement, aux élections. Deux, il faut qu'on se batte pour que les institutions soient modifiées pour garantir une élection transparente et juste. Trois, maintenant, il faut qu'on soit préparé psychologiquement à agir pour défendre la vérité. Ça, ce sont les trois dimensions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour que, au moins, n'est-ce pas, comme on dit, on anticipe sur les violences sociales, sur les crises graves qui peuvent amener notre pays aujourd'hui dans des situations insurmontables et irréparables. Monsieur Philippe Nanga, merci de nous avoir accordé cet entretien dans vos locaux. Merci infiniment. C'est moi qui vous dis merci de donner la possibilité à moi-même et à notre organisation et à la société civile de manière générale, militante, n'est-ce pas, de donner son point de vue sur la vie sociale au Cameroun, la vie politique au Cameroun, sur nos approches, sur n'est-ce pas, nos ambitions, sur les enjeux et surtout sur ce que notre pays doit être, n'est-ce pas, en termes de république où les gens connaissent leurs droits et savent défendre ces droits-là. Donc, pour nous, c'est toujours une bonne occasion de partager cette vision-là avec les publics à travers les médias,
Donc, je ne peux que vous dire merci de pouvoir relayer, n'est-ce pas, notre vision pour qu'on ait un Cameroun apaisé, paisible, comme on l'a toujours eu, un pays de paix. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette autre édition spéciale de l'invité des Côtes de 137. Nous étions dans les locaux de l'ONG Un Monde à Venir. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter l'entretien avec notre invité, Monsieur Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Retrouvons-nous très prochainement avec un nouvel invité pour une autre édition de l'invité des Côtes de 137. À bientôt.